Je demande à Michel de venir. Lève tes deux mains. Non, ben Michel, il y a tout le monde qui m'a. Tout à l'heure, alors qu'on chantait, quand la mingi t'attend, tu te yemba. Je vis, tu venais d'en bas. Na moi, bande, t'en as fait. Et tu escaladais une montagne. Peu bande, comme Matangomba. Mais puis tu as atteint comme un plateau. Peu au comme Nesika, moko pensé, bongi sami lolenge moko. Mais je voyais une deuxième montagne. Peu na moni ngomba mi balé. Avec une grande couronne au-dessus. Na moni ngona motole mo monene likolo. Et Dieu me dit. Il vient de loin. Il est déjà quelque part. Mais je l'attends plus loin. Et j'ai entendu trois choses. La première, dis-lui qu'il ne se contente pas de ce niveau où il est arrivé. La deuxième, j'ai vu le chiffre 30. Et je vis comme l'aigle qui va se cacher. Qui casse son bec. Qui se déplume. Et je vis un nouveau bec sortir. Plus pointu, plus dur. Je vis de nouvelles plumes sortir. Dieu me dit, tu as plusieurs engagements. Et Dieu me dit avant la fin de l'année, cherche 30 jours sans prestation, sans invitation. Cherche Dieu et ça va te relancer à ce deuxième niveau. Dieu me dit si tu ne le fais pas, tu feras du niveau où tu es le maximum. Alors qu'il t'attend plus loin. Plus loin. Plus loin. Je suis en train de voir. Je vois très clairement Madison Square Garden à New York. Et je vois Michel Bakenda concert. Michel Bakenda. Et je vois écrit à guichet fermé. Et je vois des blancs par centaines, par milliers venir. Dieu me dit dans cette nouvelle phase, il va élargir ton public. Mais la troisième chose, je vois un cordon ombilical te reliant avec Henri Papa. Je ne sais pas quelle est la relation que vous avez. Dieu me dit de te dire c'est l'ami de ta destinée. C'est lui qui l'a placé sur ta route. Un homme qui t'aime, qui te porte à cœur. L'un des rares qui te fait des remarques sans porter des gants. Dieu me dit, ne l'évite pas. Dieu me dit, entretiens la relation avec lui. Et j'entends une dernière chose. Fais-lui plaisir avant 3 mois. J'entends, offre-lui quelque chose. Peut-être que tu l'as déjà fait. Mais Dieu me dit, avant 3 mois, fais-lui plaisir. Sa joie va casser un cadenas que je vois. Sa joie, quand il consommera cette chose avec joie, un cadenas va voler en éclat. Seigneur, merci pour ce patrimoine national. Cette fierté de l'évangile dans notre pays. Merci pour d'où il vient. Merci pour où il est. Mais surtout merci vers où tu l'amènes. Reçois cette nouvelle dimension. Et que plus rien ne soit comme avant dans ta vie. Laissez-les.